Bonjour mon père. Bonjour Tiffany. Alors vous me voyez venir avec mes gros sabots. De nous rencontrer, oui. Voilà. Alors c'est 10 minutes. Toujours 10 minutes. 10 minutes. Le thème d'aujourd'hui, ça va être la confession. Donc on a plusieurs sacrements, dont celui-ci. Et alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut se confesser souvent, pas souvent? Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, d'abord je voudrais rappeler que la confession, c'est un nom parmi d'autres de ce sacrement. Hein, on l'appelle sacrement de la réconciliation, c'est le nom le plus officiel. Et on l'appelait très souvent, on l'appelle encore, mais autrefois c'était le sacrement de pénitence. Parce que c'était lié à l'idée qu'il fallait faire pénitence, ce qu'il ne faut pas exclure, mais enfin c'est pas premier. Et aujourd'hui on parle, moi je préfère parler du sacrement du pardon. Voilà. Certains emploient l'expression, mais elle est moins classique, l'expression de sacrement de la miséricorde. Alors, je vais parler du sacrement du pardon. Voilà, parce que je trouve que c'est le mot le plus simple et il va bien à l'essentiel. Mais la miséricorde, c'est bien aussi, ça dit Dieu, quoi, tout de suite. Se confesser, d'abord, il faut se poser une question, pourquoi dire ses péchés? Les dire, c'est les nommer. Et on sait très bien que sur le plan simplement humain, les choses qu'on n'arrive pas à nommer, quand on cherche, jusqu'au moment où on dit « mais bon sang, c'est ça », ou bien « t'as mis le doigt dessus », voilà, c'est ça. Tant qu'on n'a pas nommé les choses, elles demeurent sur le plan humain dans une espèce de brouillard, une espèce de truc cotonneux, enfin, c'est pas vraiment humanisé, ça reste trop flou, quoi. C'est pas habité. Donc les nommer, c'est les humaniser. Et il s'agit de les nommer, ces péchés, de les nommer en « je » et pas en « vous savez bien mon père, on ». Parce que ça ne veut rien dire du coup. « On », ce n'est pas un sujet ou c'est un sujet impersonnel. Et là, il s'agit d'être au contraire très personnel. Quand je nomme mes péchés en « je », eh bien, je les assume. Je m'en reconnais responsable. Et assumer ce que j'ai fait, aussi bien en mal qu'en bien, m'en reconnaître responsable, c'est faire acte de liberté. Chaque fois que j'essaie de... Non, c'est pas moi, c'est la faute des autres, c'est la faute à la société qui, la faute à mes parents qui, la faute... Je ne suis pas libéré, je m'aliène. La liberté suppose que j'accepte d'assumer ce que j'ai fait, aussi bien dans le mal que dans le bien. Ça, c'est libérateur. Alors, je dirais que d'abord, il me paraît important, et même très important, en effet, de confesser ses péchés en jeu, comme ça, intérieurement à Dieu. C'est chrétien. Attendre le sacrement pour dire « je confesse mes péchés », c'est... Bien sûr, il y a le sacrement. Mais le sacrement, il n'est pas chargé de me défaire de ma responsabilité. Donc, faire ça de temps en temps, c'est bien. Confession intérieure à Dieu. Alors la difficulté, si je crois comprendre, c'est pas de confesser à Dieu, encore qu'il faut le faire, c'est pas évident, mais c'est de les confesser au prêtre. Pourquoi passer par un prêtre? D'abord, je voudrais rappeler que dans le sacrement, c'est pas au prêtre qu'on parle, c'est à Dieu. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui ont oublié ça. Parce que ça change tout. Je parle à Dieu, à travers le prêtre. Le prêtre est là comme son représentant. Par le sacrement d'ordination qu'il a reçu, il a été qualifié, habilité, je ne sais pas comment dire, pour représenter Dieu ou le Christ. Mais Dieu seul pardonne, ce n'est pas le prêtre. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul, hein, est-il dit dans l'évangile de Marc, lorsque les pharisiens se scandalisent que Jésus puisse pardonner les péchés du paralysé qui est devant lui. Donc c'est Dieu qui est la source du pardon, c'est même pas l'Église, c'est pas le prêtre, c'est Dieu. Le prêtre, il est là pour représenter Dieu. Mais alors on pourrait se dire, mais quand même pourquoi? Pourquoi faut-il passer par un prêtre pour ça, hein? J'ai lu avant-hier, je crois, dans un texte du pape François, hein, voilà, il écrit ceci que je trouve très juste. Il dit aux gens auxquels il s'adresse, « Oui, bien sûr, tu peux dire tes péchés à Dieu, mais nos péchés sont aussi des péchés contre nos frères. » Et ça me rappelle le « je confesse à Dieu, je reconnais devant mes frères. »
Les péchés sont aussi des péchés contre nos frères, contre l'Église. C'est pour cela, ajoute le pape, qu'il est nécessaire de demander pardon à l'Église, à nos frères, à travers la personne du prêtre. Donc le péché, il ne m'affecte pas moi tout seul, c'est aussi l'ensemble de la communauté chrétienne et même des hommes, parce que chaque fois que je m'affaiblis, que je me replie sur moi, d'une manière indirecte, je porte atteinte d'une certaine manière à autrui. Bon. Alors le prêtre est là justement pour représenter non seulement le Christ, mais aussi pour représenter l'Église. Il pardonne au nom du Christ et au nom de l'Église. Alors après, évidemment, vient la question, donc on se confesse, d'accord, on nomme les péchés, on les confesse à Dieu, les nommer c'est important, et puis mais on passe par le prêtre, parce que les péchés c'est pas simplement moi que ça affecte, c'est aussi péché contre Dieu, c'est péché contre les frères. Et, mais alors comment faire? Comment se confesser? C'est là qu'il est très important pour moi de se rappeler qu'on parle à Dieu. Donc si je parle à Dieu, premièrement, je n'ai pas besoin de faire une longue liste, de vouloir tout dire, parce que Dieu le sait. Donc ce n'est pas pour le renseigner. Deuxièmement, ce n'est pas la peine non plus de m'étendre longuement dans des confidences. Le prêtre n'est pas là comme un ami. Il est là à un autre titre. Et troisièmement, ce n'est pas non plus l'affaire, le moment de faire des subtiles analyses de tout ce qui m'a conduit à faire le mal alors que j'aurais voulu faire le bien, etc. etc. On n'est pas sur le divan du psychanalyste. Alors qu'est-ce qui reste? Je ne suis pas sur le divan du psy, le prêtre ce n'est pas un confident, Dieu le sait. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste à dire, à s'adresser à Dieu humblement, sous forme de prière. De prière, on parle à Dieu. Seigneur mon Dieu, voilà, je viens devant toi, je reconnais que je m'accuse de... Voilà, tout simplement. Et ça, c'est l'essentiel. Faire la confession des péchés sous forme de prière. Alors, on l'a fait de manière humble, bien sûr. Hein, Saint Thomas d'Aquin, hein, au Moyen-Âge, nous disait toujours que la confession, les deux qualités majeures de la confession, c'est qu'elle est humble. Oui, la confession, elle est humble. Et elle est humble. Elle peut même provoquer une certaine honte, mais ça, c'est tout à fait normal qu'on éprouve un sentiment de honte. Alors, il ne s'agit pas d'en rajouter, mais quand même. Le pape dit ça très bien à nouveau, là. Il dit, voilà, il entend l'objection, mais mon père, j'ai honte. Et il dit, la honte aussi est bonne. Parce qu'elle nous rend plus humbles. Et le prêtre reçoit cette confession avec amour et tendresse, et il pardonne au nom de Dieu. D'un point de vue humain aussi, pour se soulager, il est bon de parler avec son frère et de dire au prêtre ces choses qui pèsent parfois tellement sur notre cœur. Donc une confession humble. Et puis une confession qui soit brève. Hein. On comprend pourquoi la confession peut être brève en fonction de ce que j'ai dit. Alors, on précise juste la fréquence du péché en question, parce que c'est quand même pas la même chose si c'est quelque chose d'accidentel ou si c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Et puis aussi préciser un petit peu quand même les circonstances qui peuvent changer la nature des choses, quoi. Insulter un camarade comme ça sur la cour du lycée, ou insulter son prof, ou insulter sa mère, c'est pas la même chose. Hein, on comprend très bien. Bon, voilà, donc des choses. Hein. Donc, humble, brève, pas besoin d'être long, c'est une prière. Et sincère, évidemment. Hein, de toute façon, vouloir cacher quelque chose d'important qui nous gêne, vouloir cacher à Dieu, Dieu le sait, c'est pas... Voilà, très bien. Alors, mais je voudrais ajouter simplement deux ou trois choses maintenant pour là-dessus, parce que la première, c'est que le mot confession, il a deux sens. Il a un sens positif. On confesse la louange de Dieu. Et un sens négatif, on confesse ses péchés. Saint Augustin disait, la confession des péchés est une confession de louange. Parce qu'on confesse la miséricorde de Dieu. Mais on peut louer Dieu. Et personnellement, je passe aux paroissiens une feuille du cardinal Martini, l'ancien cardinal de Milan, voilà,
qui dit aux gens, mais d'abord commencez par confesser les bonnes choses que vous avez faites, que vous avez réussies, parce que ça réjouit le cœur de Dieu, et il y a des choses bien que l'on fait aussi. Commencez par dire ça, puis après on confesse brièvement ses péchés. Moi je crois que c'est très important de ne pas voir que le négatif, et de redonner à ce mot de confession son double sens, pas seulement négatif, mais positif. La deuxième chose, c'est que si la confession sacramentelle peut être brève, et j'ai dit pourquoi, elle peut s'accompagner, et le plus souvent c'est avant, d'un temps de dialogue avec le prêtre, qui lui peut être beaucoup plus long. C'est le moment où on fait le point sur sa vie. Cela est évidemment très conseillé de le faire, lorsque l'occasion est favorable. Alors, on peut faire ça dans un pélé, par exemple au frat, on peut faire ça dans un passage, lors d'un passage dans un monastère, durant les vacances, enfin, etc. Prendre du temps. Simplement, il faut bien distinguer les deux choses. La confession peut être brève, elle doit même l'être, à mon avis. Mais c'est autre chose que le dialogue spirituel. On peut les lier, ils peuvent s'enchaîner, pas de problème là-dessus, mais il faut les distinguer. Hein? Donc, pour moi, c'est très important pour clarifier les affaires. Et la troisième chose que je dirais, c'est que, et la dernière chose, c'est qu'il existe diverses manières de recevoir le pardon de Dieu. Hein? Il y a la confession dont je viens de parler, parce que c'est important. Hein? Et surtout, quand on est jeune, on a peut-être encore plus besoin de parler, de prendre du temps pour ça. Donc, pas de problème. Mais il y a aussi les célébrations communautaires, auxquelles je tiens beaucoup, qui ont l'avantage d'être ecclésiales, on est ensemble, on se retrouve comme des frères et sœurs, on se reconnaît pécheurs devant Dieu, etc. L'inconvénient, c'est que dans ces célébrations, le temps de la confession elle-même est forcément très bref, parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais du coup, on peut très bien dire au prêtre, ma confession est brève, mais j'irai trouver un prêtre ou je prends rendez-vous avec vous pour un entretien plus long. Voilà, je crois que le croisement des deux est une bonne chose. Alors voilà, la confession des péchés aujourd'hui, la confession sacramentelle, est en train de retrouver un regain de vigueur, je crois, et c'est heureux, et c'est vraiment le sacrement par excellence de la miséricorde de Dieu qui vient prendre chacun dans ses bras pour lui ouvrir un avenir, lui rouvrir un chemin. Voilà. Merci beaucoup, mon père.